Bienvenue à tous. Plusieurs mois après le début de ce let's play sur le titan en solo sur Witch Queen. Donc j'ai déjà fait à sa sortie l'aventure de Witch Queen, bien sûr, à plusieurs. C'était très cool, je vous avais rediffusé la fin. Et ensuite j'étais partie sur un let's play avec le titan. Épisode 1, épisode 2, je crois, épisode 3. Et ça s'est arrêté. Et ensuite j'ai fait... je suis revenue sur le titan, mais ensuite j'ai fait les saisons en fait. À chaque fois je faisais contenu de saison et j'avais pas forcément... je me disais pas, allez vas-y c'est reparti, on continue le let's play, puisque c'était... J'avais plus envie de faire le contenu de la saison, puisque c'était nouveau, et voilà. Et après je me suis dit, est-ce que je rediffuse ça ou pas, maintenant que ça date de 3 siècles. Donc vous allez avoir une grosse rediff pour ceux qui regardent ça en rediff. Et pour le live, vous allez avoir une grosse session Witch Queen, où on va tout simplement enchaîner les missions. Donc, la mission qu'on doit faire, c'est celle qui s'appelle... Si on va... On est même plus dans le bon anglais, c'est terrible. La communion dans la pyramide d'Europe. Donc on va vraiment enchaîner ces trucs-là. Je sais pas pour combien de temps j'en ai à finir, j'étais normalement au tiers à peu près. Mais j'ai tout mon temps, donc je pense qu'on va essayer d'aller jusqu'au bout. Non mais j'ai des viewers qui vont le faire là à l'instant, Mythmic, justement cet après-midi normalement. Je sais pas si... Mais du coup tu l'as déjà fait, donc... Parce que si jamais ils cherchaient du monde... Salut Sam! Du coup, let's go. Bon, finalement, pas de glaive, parce que ça me saoule. Tout simplement. Il y a Pézac. Finalement, le glaive, c'est non. On part sur de bonnes bases, exactement. Ça va 5 minutes. Hein. Non mais... Ça va-t-il? Oui. Quand même. Il y a des défis dans la... Dans la campagne Witch Queen? Je me demande dans quoi. C'est sûr, Isaac. C'est sûr. Oh, il y a la grosse bait. Il y a le char. Bon, c'était peut-être pas très utile que je fasse ça, mais... Je suis bien contente de pas être restée au glaive. Sinon, c'est mort. Faut que je m'occupe du char. Je l'avais oublié aussi, le char. Ah bah ça commence bien hein. On va pas jouer à Fallout 76 avant longtemps. Putain, j'ai mon écouteur qui bug. Vous l'entendez le son ou c'est mon écouteur? Est-ce que vous entendez le problème de bruit là? C'est ok. Putain, j'ai un problème d'écouteur. Trop relou, ça fait un crrr comme ça d'un coup. Me donne envie de refaire la campagne. Ah parfait. Écoute. Écoute, écoute. Bon, faut qu'on fasse attention au char. Au violent char. C'est qui me tire dessus là? Ah, c'est là. Au secours. Je vais mourir 400 fois. Hein. Je vous le dis. Faut qu'on se trouve un meilleur emplacement pour le char. Ou qu'on l'annihile très vite. Faut qu'on l'annihile très vite. J'ai ma réponse. Très très vite. Meurs, meurs. Voilà. Bon écoute, ça s'était plutôt bien passé jusque là, à l'époque où j'avais démarré le let's play du coup sur le titan en solo. En prenant les choses petit à petit. Marrant ça. Donc ça devrait aller. Ça devrait aller, c'est quand même... en vrai c'est moins dur qu'à 3. Je pense le plus facile sur la gamme, je pense c'est à 2. En termes d'équilibre et tout.
Non, un peu trop loin. Trop de force pour le coup dans les bras. Pourquoi pas le fusion linéaire sur le char? Parce que j'étais bien avec ma petite... Parce que le char est mort? Tout simplement. Donc tout va bien. J'ai envie de dire. Ah non! Par contre, j'ai fait une connerie là. Non. Ça va aller, ça va aller. Parce qu'on a démarré ça en disant ouais, on va jouer tel machin. Et pas du tout en fait. Point du tout. Vous l'avez vu à gauche là. Tempo. Mon tempo. Je vais en mettre dedans aussi. Hein. Tout simplement. Non mais je serais bien avec ma petite batteuse là. Qui fait toujours le café. Et déçoit jamais, j'ai envie de dire. Vous avez vu qu'il y en a un autre derrière. Elle ne déçoit jamais. Et ça... Je sais qu'il y a un autre truc qui tire là-bas. Il n'y a pas un autre... Oui, voilà. Ça. Alors, attendez. Hop. Salut, druide. Salut, salut. Toi, tu meurs. Voilà. J'ai un angle, là, pour le toucher, je crois. Quand j'étais là, juste avant. Alors, on a une bonne nouvelle, c'est qu'il se décale pas. Ok. Il décale pas, donc... On apprécie. Attrape. C'est bon, il a attrapé. J'ai pas changé ma grue par hasard. J'ai un doute d'un coup. Ça surprend quand t'as oublié le truc du char et tout. Ça surprend clairement. Attends, et Jerry vient de me demander. Jerry vient de rentrer du sport et me dit c'est toi qui as mis son relaxant pour le chat. C'est une bonne idée. Non, j'ai absolument pas mis son relaxant. Ça veut dire que le chat a appuyé sur le Google Hub? Le Google Nest? Le... Je me demande... Attendez, ça... je pensais que c'était lui qui l'avait mis avant d'aller au sport. Parce que quand je suis arrivée dans le salon, il y avait son relaxant sur mon truc Google. Il me dit, c'est toi qui as mis les sons relaxants? Waouh! C'est flippant les IA, ça devient violent. Ils ont mis un son relaxant à mon chat. Ils se sont dit, mais il est surexcité là, faut faire quelque chose. Google, il en pouvait plus. Alors ça, c'est drôle, hein. Ça va bien et toi, Forex? J'avais oublié le coup des chars sur ces zones, et après j'ai dit, ouais, du coup, on va level up le glaive, ça va être bien. Non. Non, non, non. Très mauvaise idée. On level up pas le glaive. On... on oublie cette idée. Le chat qui se fait plaisir, quoi, et il s'est mis un peu de musique. Attendez, c'est chelou. Hein. Faudra que je lui demande à la pause, du coup. Au revoir. Un bouclier cabal bloque l'entrée. Apparemment, ils sont arrivés avant nous. Très bien. Je me rappelle de rien, donc c'est ça qui est bien. J'ai aucune idée de ce que je suis censée faire, pas faire. Ouais, bah... Je sais pas, laisse-moi passer, en fait. Je me rappelle vraiment de rien. C'est terrible. Ah là, il y a un trou.
Ok. Bonjour, si vous pouviez mettre la lumière, ça me stresserait un peu moins. Ouvre la porte. On se joue de moi un peu là. Il suffit. Le jeu se moque de moi. C'est bon, on a passé le bouclier. Et maintenant le bouclier va s'enlever, hein. La base. Iris, la pyramide semble réagir à notre présence. Des portes s'ouvrent, des plateformes bougent. Elle sent peut-être quelque chose en vous. Quand j'ai exploré ces étranges passages, j'ai senti aussi qu'elle lisait quelque chose en vous. Elle boude. C'est un chat, la pyramide. D'imaginer qu'elle trouvait en moi des affinités secrètes. Mais tout comme vous, gardien, j'ai pas besoin de la plateforme. J'ai appris à l'utiliser. T'as cru quoi? Alors. Ah non, pas celui-là. Meurs. Merci. On va clean tranquillement. Je veux pas de... On veut pas de problème. J'ai pas vu ce que t'avais demandé, Sam. Mais j'imagine que le chat t'a répondu, du coup. Il y a du matériel cabal partout. On dirait qu'ils essaient de s'installer à l'intérieur de la pyramide. Probablement dans l'espoir de piller des artefacts des ténèbres pour leur guerre contre la guerre elle-même. Xivu Arras a détruit leur planète. Et les conquérants n'apprécient pas d'être conquis. C'est pas la zone où faut tenir ça après? J'ai un doute où on l'a déjà faite. Il y a une zone où faut tenir avec des... Si, c'est cette zone. Je crois qu'on arrive sur la zone où faut tenir avec des trucs comme ça, là. Quasi sûr. Oh là, c'est violent. Ça, son apaisant pour le chat, là, c'est une bonne chose. Hein. Il faut l'apaiser, ce chat. Il faut qu'il apaise son kokoro. Je crois que cet appareil brouille les mouvements de la pyramide. Ah oui, voilà. Voilà. Oh là là! Calmons-nous. Dans le doute, hop. Ah, dommage. Ça s'est arrêté au mauvais moment. Le petit défi saisonnier du calibrage qu'on portait qui s'est qui s'est délouvrié. Merveilleux. Oh, je fais plus de coups d'épaule d'ailleurs. C'est la vie, les coups d'épaule. Oh, je fais plus de coups d'épaule, Maurice. Qu'à faire, hein. C'est du one shot, on va pas se priver. Alors, il y avait un truc juste là, non? Ah, j'avais cru. Ah non, fallait juste tenir, ok. La pyramide change. La pyramide boude, du coup, maintenant j'y pense. C'est sur Europe le défi. Parfait. Attends, il y a d'autres trucs que je pourrais faire ou pas? Je suis en train de me demander. Bonjour. Ouf. Les chevilles ont failli... ça a failli mal finir. Ah, c'est un peu dommage, ça. Vous avez vu, du coup, ils sont avec des épées, même en étant level 4 milliards. Parce que c'est capé, hein, je rappelle, pour ceux qui connaîtraient pas. Donc, même en faisant la campagne là, maintenant,
Bah ça reste... Pour que ça reste un peu la même difficulté, quoi, en gros. Bien entendu. Je vais me cacher. Capé, exactement. La seule différence qu'il peut y avoir, c'est les armes de la saison, etc. Tout ce qui a pu être obtenu depuis. Qui peut parfois être plus opti. Non, capé, genre CAP, quoi. Un cap. Une limite. C'est parti, c'est parti. Envolé pile au moment où j'ai mis une greu quand même. Le chieur. Ah, il a pris le mur. Je pourrais utiliser mon arme lourde. Could. Meilleur finish celui-ci. C'est le plus beau. Intrus ! Les réseaux trus. Iris, vous disiez que la pyramide reconnaît quelque chose en nous. Mais quoi ? Un défenseur. Une lame bien aiguisée. Une curiosité. Ça peut être tout ça, ou rien de tout ça. Ikora aussi a posé cette question. Et ma réponse est toujours la même. Pure spéculation. Je crains que l'ambiguïté ne pèse trop sur elle. Attendez, j'ai un peu trop anticipé là. Oh. Mardi, il va falloir qu'on retente la mission EXO en Flawless. Un jour, elle va passer. Sorry. Tiens. Oui, un super trait. Non mais pourquoi pas? En vrai. J'ai envie de dire pourquoi pas. J'aurais remplacé mon fusil auto par un shotgun. C'est ce que je vais faire. Bon, ça y est? Oh. Je ne pense pas que la pyramide nous aide par générosité. Elle nous manipule. Hop. Elle se sert de nous. Les ténèbres sont une force neutre. Mais les pyramides ont leurs propres intentions. Tant qu'elles nous sont inconnues, ne baissons pas notre garde. Mic l'a fait ce matin, Forex. C'est dommage. Salut Anakin. Salut Miss Master Chief. Stylé que tu te sois mise crossfit. C'est nice. Ah bah du coup là j'aurais eu besoin de mon fusil auto. C'est dommage. Bah alors.
Je fais de la merde. Ah, j'ai oublié que j'étais sur le shotgun. Je me disais je peux le finir vite l'autre là, mais non. C'est nice ça. C'est stylé. C'est stylé. Du coup, je vais garder les bonbonnes pour après. Il y a moyen qu'on fasse un truc rigolo. T'as motivé de faire un solo. Carrément. Hein. Carrément. Faut qu'on finisse le let's play quand même. Ne pas tirer sur les... Voilà. Et moi je vais me mettre là. Et ensuite Brandon vienne là et papapa. Peut-être pas mal. Il faut qu'il vienne. Est-ce qu'il vient? Je pense qu'il ne vient pas. Du coup c'est beaucoup moins ouf. Ah oui, il a une bonne vie, j'avais pas vu la barre. Ah, c'est là, désactiver les appareils cabale, voilà. Ouah, c'est long pour désactiver. C'est long de ouf. Qu'est-ce qu'il fait mon perso? Très très long. On tire dessus de là. Lol. C'est drôle ça. Un petit trou. Ah. Je m'en vais. Y a pas de souci. On s'en va. Putain, je peux pas aller là. Hein. Ah. Ça a mis un temps. Infini. Alors c'est pas la portée la plus adaptée hein, mais ça ira bien. Je vais clean d'abord, tranquillement. Si tant est qu'on puisse clean tranquillement. Puis je vais aller désactiver le truc. Oh j'ai bientôt mon super ceci étant. En vrai de vrai, go wait le super hein. On maximisera nos chances, hein. Même si j'ai un peu envie d'y aller là, du coup. Et oui. On va être greedy, ça y est. Ah merde, il m'a poussé. Oh le con! Il m'a poussé! Ça se fait pas! Ça ne se fait pas, monsieur! Super si besoin. Si long à désactiver. C'est ouf. Hein. Oh oui. Ça y a rien fait, je suis dégoûtée.
J'y croyais. Attends, je préfère pas prendre de risques. On aurait l'air con. Ça, c'est la portée idéale, hein, n'est-ce pas, pour mon PM? Pas du tout. Mais c'est pas grave. Des dégâts. Oh oui. Quelques dégâts supplémentaires. Il en prend. Il est résistant de ouf, hein, ouais. En fait, ça me fait toujours bizarre comme le niveau s'adapte. Ça fait vraiment bizarre. Parce qu'on a l'impression qu'on va. Éclater le truc, mais non, en fait. Mais nous l'avons jamais vu de pilote. Dans ses voyages au-delà de l'héliopause, la reine Marasov a rencontré l'entité qui commande les pyramides. Elle a dit que son esprit parlait plus fort que tout ce qu'elle avait jamais entendu. Une cacophonie de pensées. Peut-être que ses voix dirigent ses vaisseaux. Une de ses voix vous a aussi parlé dans le jardin noir. Notre projet de glaive qui a été. Ça me fait trop rire, le projet du glaive qui a été très vite abandonné. Alors en fait, plus tant que ça. Hop. Qu'est-ce que j'aurais comme. Est-ce que j'ai pas un. Oh, sinon je remets mon provenance sacrée. Ah, il y a lui qu'il faudrait que j'utilise. D'ailleurs, j'ai eu lui la dernière fois dans le donjon. Bon, là, c'est un peu loin. Mais j'ai eu lui. Regardez. Oh, oh, oh. T'en as des pantalons du donjon. J'avoue. En fait, j'élimine pas en dessous de 61. Au-dessus de 61. Du coup, 63, 63, 65, je garde. Tu vois. Bon, repassons comme ça. Oh non! J'ai peur pour rien. J'ai cru que j'avais sauté dans le vide. Ah, on s'ennuie pas, hein. Ah, ça non, hein. Jamais. C'est l'avantage. Heureux les simples d'esprit, comme on dit. J'ai glissé. Mais oui, j'avais glissé. Bon, il est si invisible. Ton chute la grande même. Je veux dire, à un moment. Faut que t'arrêtes. Ah. Aïe. C'est pas très gentil. Aïe. C'est pas très gentil non plus. Mon revolver, il est pas mal. Mais je crois que je l'ai eu avec des trucs bien. Attends, je te montre juste après. Hop, je te montre ce que j'ai eu. Je l'ai eu avec. Reconstruction arme vorpale. Et arsenal de Rasputin. Il est pas dégueu, quoi. Le coup de reconstruction sur un revolver, je trouve que c'est plutôt bien. Ça tombe plutôt bien. Oh là là, ils ont voulu bloquer l'entrée. J'avais une arme anti-blocage. Il y a du monde là-bas. Alors attendez. L'avantage, c'est que la zone est grande. D'abord, on s'occupe d'eux, là. Les petits chiens.
Voilà. Ça, prends pas de risque. Du coup, j'ai les deux morts du glaive. Vous en aurez une en ellipse, hein, les gens qui regardent. Le glaive sur les tanks. Not a good idea. En vrai, c'est pas mal que j'ai attendu aussi longtemps là pour continuer le stream, si je me rappelle pas. Je vais faire tout ce que j'ai à faire là sur normalement sur Witchqueen Forex et ensuite j'irai sur Fallout. Cette nouvelle capacité vous permet de voir des empreintes psychiques d'événements passés. Et si vous communiez avec la pyramide, vous pourrez peut-être voir l'empreinte sur la coque de Sagira. C'est étrange. La lumière vous a fait oublier et voilà que les ténèbres vous aident à vous rappeler. Et du coup, ouais, j'ai vu il est gratuit sur Play 76. C'est nice. Les cabales essaient de détruire c'est cette zone. Nous devons les arrêter, ou bien vous ne pourrez pas communier avec la pyramide. Ah ouais, est-ce que je veux vraiment communier avec la pyramide? C'est la question qu'on peut se poser. Là, typiquement, j'aurais repassé sur le shootgun. Ça va bien se passer. Ah merde. Mais j'ai le droit de réapparaître, tout va bien. Du coup, trop bien. Attendez, mais c'est pas en réparation limitée le truc des brouillards? Non, c'est qu'après il va falloir le refaire, non? J'ai souvenir d'une zone en réparation limitée avec les brouillards. Normalement que j'ai rêvé. Très bien avisé d'avoir gardé mon PM abyssal. Même si c'est pas pour ça que je l'ai choisi, mais... Du coup, yes, après on retourne sur Fallout 76, parce que j'ai envie de tout jouer, donc écoutez... Et comme je disais, il y aura peut-être même une nocturne sur FF14. On en est là. Alors attendez, ça, paf. Attends. C'est bon. Ça a eu coup de changer d'arme, hein, j'ai pas de mine. C'est cool. Trop bien. Il faut utiliser ça. Allez. Hop. C'est pas un par un? Ça a pas l'air d'être un par un. En tout cas. Pousse-toi! Tant pis. J'ai l'impression de déjà vu là. Le cabal essaie de détruire la statue. Ah bon? Nous devons les arrêter, ou bien vous ne pourrez pas communier avec la pyramide. Je veux pas communier avec la pyramide. À toi aussi, Joachim. À toi aussi. Bah alors, bonne chance pour le raid, Forex et Steel. J'espère que ça va bien se passer. Bonne chance.
Non, comme ça je pourrais dire mute pas, comme ça je pourrais dire oh attention le pilier. Faut que je note les ellipses pour pas. Parce que déjà que la rediff va être longue, je pense que je vais faire. Juste à chaque fois. Le travail réussi. Oh, les explosions. Je fais une erreur. Là, c'est une erreur. Ce qui vient de se passer. Donc là, on va juste tout clean tranquille. Y a pas un explo là? Ce serait pratique dans le tas. Si, y en a un. Change de côté. Ah, voilà les vrais styles. Du coup, je peux pas te troll, finalement, parce que si je te troll. Attention! Attention, style la boule! Le relais! Le relais! T'as frôlé la game! Alors ça, j'avais pas prévu le petit mur là. Ah, ça a pas pris les lourdes. C'est assez décevant. Ah, j'ai déjà fait lui. Il est vrai. Ah mais... Excusez-moi mais... Pardon monsieur. Ce qu'il faut c'est se faire une ouverture. Une fois que l'ouverture est là, ça va. Pas de tous les côtés quoi. C'est un flawless que tu l'as fait du coup? Parce que c'est vrai que je me suis dit finalement. Bah, par exemple, le flawless, c'est juste le défi, c'est solo. Les donjons à chaque fois. Après, c'est la cerise sur le gâteau. En vrai, c'est quelque chose qu'il faudrait que je fasse hors live si je voulais essayer. Parce que le jour où je joue hors live encore, et je me dis putain, la différence. Je joue vraiment beaucoup mieux hors live. C'est. Des petits détails qui font que, en fait, t'as pas la même attention, quoi. C'est pas pour faire genre, hein, vraiment. C'est un fait, quoi. Mais bon, vous le savez, hein, si vous avez déjà essayé de streamer, on joue mieux hors live. Mais c'est moins marrant.
plus sympa streamer. Yo, Pentok! Vous ici? Tu vois, j'ai en train de bien clean là. C'est cool. Tant que je tombe pas dans un trou. J'ai eu à travers le titre Let's Play en solo sur Fallout. Attends, il est où, Brandon? Merde. Oh non. Ah, oh, c'est dommage. Tant pis, prenons pas de risque. J'avais quand même un peu envie de prendre des risques. J'avoue. Prudence, gardien. Bon! Une chose de faite. Quelle aventure! Je peux communier! Tous les modules d'amélioration là, de la campagne, ça fait plaisir. T'as les petits cleans du stuff quand même d'abord. Hop! Merci. Vous êtes gentil. Ça communie. Iris, nous avons communié avec la statue. Il est trop tôt pour savoir s'il y a eu des effets. On dirait qu'ils ne seront visibles que depuis le monde du trône de Savatoun. Dans tous les cas, nous ne voulons pas nous attarder ici. Non. Sage décision. Ces vaisseaux restent un mystère à nos yeux. On va voir Ikora, du coup. Hop. Sur Mars. Les deux. Allez. Il va tout seul en fait. C'est bien pratique. Tu ressembles vachement à quelqu'un. Alors. Hop. Hop. J'avoue que, même après vous avoir envoyé, j'avais des doutes. Mais Iris dit que la pyramide a répondu à votre présence. N'est-ce pas? Ça montre que nous allons dans la bonne direction, je crois. Vous avez visité la pyramide. Vous devriez pouvoir révéler la totalité du souvenir sur la coque de Sagira. Mais vous ne pouvez pas. Donc il nous manque encore quelque chose. Mes clandestins ont analysé les fissures que vous voyez dans le désert. Les zones autour de ces failles émettent de fortes concentrations d'énergie psychique. La même concentration a été observée dans le monde du trône. Je crois que c'est ce qu'il faut pour que le souvenir de Savatoun se manifeste totalement. Amenez-y la coque de Sagira. Nous verrons si j'ai vu juste. Espérons que cela nous apportera enfin des réponses. Alors, il y a une dernière étape pour accéder au souvenir lié à la coque de Sagira. Que la lumière vous accompagne.
La mission, le miroir. C'est parti. Non, j'allais dire un truc, non. Finalement. J'allais dire, j'aurais peut-être aller chercher des trophées en plus, des missions en plus ici. Mais je suis pas sûre que j'ai encore moyen d'en reprendre. Parce que j'ai pas monté les rangs de Flinch ici. Ça pourrait être pas mal. En soi. Je suis content que vous soyez là malgré que une bonne partie d'entre eux connaissent le contenu. En 59, RPZ. C'est plaisir. Enfin moi je. Mm-hmm. Voilà ce que je sais. Du coup si je peux en prendre d'autres, vas-y. Mm-hmm. Parce qu'il y a des trucs parfois c'est dans le monde du trône ou quoi. Ouais, dans le monde du trône. Alors attendez, je vais en virer un contrat que. Pire, je valide un contrat. Un contrat comme ça. Hop. Hop. Très intéressant. Voilà. Tant qu'à faire, ça pourra me valider des trucs. On laisse le grand se détendre, d'accord ? Au passage. Enfin, ça a été dur pour lui. Tiens. On lui fait un peu de place, merci. Hein ? Vous l'avez déjà vu la version de la mythe lumineuse qu'on peut avoir sur le Bungie Star ? Elle me fait marrer. Mais bon, quand je vois les soucis de SAV sur Bungie Star et tout. Moi, la dernière fois, vous savez, j'avais commandé la. Je vous l'avais fait l'unboxing en live, il était cassé là. Le spectre avec le phénix dessus. Je fais très bien le phénix, je trouve, en tout cas. Et heureusement, je l'avais commandé sur Just Geek, je crois que ça s'appelle. J'ai repris la manette, ça a balancé une grosse, faites pas gaffe. Et du coup, ils m'ont remboursé instant et tout. Les gens qui l'ont pris sur le Bungie Store, ils ont des galères et ils leur répondent même pas en fait. Non, du coup, j'ai pas encore essayé de le réparer. J'ai pas eu le temps. Avec l'arrivée du chaton, tout ça, c'est vrai que. Le temps file vite, ça fait très parole de vieille personne. Oh, le temps. Mais c'est vrai. Du coup, j'ai pas encore pris le temps de. D'essayer de le réparer. Gardien. L'énergie psychique détectée par mes clandestins se concentre dans cette zone. Trouvez la source, et vous pourrez peut-être en apprendre à partir de la coque de Sagira. Il se peut qu'elle ait appris comment ça va tout. On a jamais le temps, il faut le prendre, tout à fait. Avant de mourir, il doit y avoir un indice à trouver. Fouillez la zone. J'ai transmis à mais ouais, j'ai pas eu le temps. Les données d'emplacement, j'ai plein d'autres choses. Mais elle manque de précision. Je ressens les interférences liées à la pyramide entre nous et les coordonnées envoyées par Ikora. Il doit y avoir un moyen de les contourner. Les gens ont fait un coup d'épaule, ça aurait été plus intelligent. Hein. D'ailleurs, je vais aller en faire un coup d'épaule. Vous êtes prêts? Ah ah. Tiens, ah, ça fait mal ça. Toi aussi tu veux un coup d'épaule? Ah, j'ai plus mon coup d'épaule chargé. J'ai rien dit. Pour toi, ce sera une grenade. Qui résiste au petit chat. Ah mais j'ai pas rechangé ma greuve. Là. Ça contribue à l'interférence. On peut peut-être le détruire. J'avais mis la grande impulsion. Et puis tout à l'heure, là. Hein. Je me disais, elle est un peu faiblarde. Bah oui.
Bon, après le vin. C'est mieux. Mais je détecte une autre source d'interférence. Localisons-la. Alors j'avoue, quand j'avais eu le projet de faire avec le Titan en solo, c'était juste après le run avec l'Arca. Du coup, je connaissais l'émission, ça aidait un petit peu. Là, c'est comme si, du coup, c'est comme si on redécouvrait tout. J'aime pas avoir par tous les trappes, comme avec le temps qui est tout. C'est stylé. C'est si stylé les décors! J'ai un peu trop. Je suis laissée emporter par l'élan. Oups. Attends, c'est bien là que je dois aller. Ouais. Quel plaisir. Putain, j'ai oublié c'est quoi cette histoire de souvenance. C'est pas le truc qu'on est censé pouvoir... Ça va refaire, hein. Attendez, on a la souvenance et ensuite on peut faire un truc. Quel est-il? Quel est-il? Quel est-il? Tout à l'heure j'ai pu passer. C'est la souvenance pour dévoiler le chemin. Je ne sais plus à quoi ça sert. Donc, je devrais pouvoir retrouver, mais ah, c'est là. C'est bon. Parce que je le voyais. Le chemin à moitié oublié. Ce pouvoir que vous utilisez les rend à nouveau réels. C'est juste que j'étais aveugle. Espérons que la coque de Sagira détient le même potentiel. Avec la bonne concentration d'énergie psychique, un souvenir évocateur lié à sa coque se manifestera. Alors ça, j'ai souvenir d'avoir buté l'int dans cette zone. Ça oui, je m'en souviens.
Dommage. Je me sens bien. Je la reste dans le vide. Je m'en souviens. Je dois aller tout là-haut, il y a là, ok. Par contre, là, du coup, j'ai plus les trucs pour les... Ah oui, non, il y a là, ça va. Un jeu d'abord. Non, ok. T'as vu ça? Parce qu'on est en train de poursuivre quelqu'un. Ah! C'était dangereux ça. Laissez-moi. Je suis venu ici pour ce soir, ok? Oh, ça touche. Ça touche! Ok. Ah, attendez, on cherche encore le chemin, du coup. Ah. Nous avons appris que Savatoun se faisait passer pour Osiris. Je voulais croire que Sagira était toujours vivante, piégée quelque part, comme lui. Et que si nous jouions bien nos cartes, nous la libérerions aussi. Au moins, nous l'avons trouvée. Elle peut nous aider une dernière fois. Et nous la ramènerons chez elle. Vous avez vu, il nous indique le chemin. C'est stylé en vrai. Monsieur ? Il doit y avoir un petit truc à péter. C'est vrai. Attends, et ça c'est par là où je suis arrivée. Je suis arrivée comme ça, pouf, j'ai pris le truc. Il y a quand même un truc à péter normalement. Ok, c'est bon. Donc ça, c'était par là. Ok, bam. Ensuite, on a continué. Là, ok. Ah! Super. Paf. Et là, la suite. Ok. Prends pas de risque. Clairement. C'est le vide, ça? Non, ça va, c'est pas le vide. Pas bien. Elle était si bien cette campagne. C'est pas plus mal qu'on la refasse là, hein, parce que normalement,
Celle de Lightfall va être dans la même veine et on aura rafraîchi notre mémoire sur comment était celle-ci. Je trouve ça pas plus mal. En vrai de vrai. Pourquoi il nous met ça ici? C'est qu'il y a quelque chose. Je cherche. Hein. I search. Là. Bien. Allez, un dernier et on sera bon. Alors après, normalement, il faut suivre les traces en fait. C'est quand même bizarre qu'il y ait cette plateforme là de l'autre côté. C'est étrange. On vous revient nos yeux. Ah, je l'ai. Putain, mais... je me suis coincé dans le trou. Il y avait un trou, en vrai. C'est bon. J'ai survécu. Autru. Ah voilà, c'est bon, quoi. Hop. Let's go. Non, elle était vraiment bien, cette campagne. Normalement, hâte de découvrir comment sera Lightfall. Nora, je crois que nous avons trouvé. Il y a quelque chose. Trouver un point de connexion. Il nous faut des réponses. Utiliser la concentration psychique. J'allais dire, le temps qu'ils arrivent à moi, ça va. Et là, ils m'ont sauté dessus. Je pense par nettoyer. Ensuite, on va voir. Ok, il y a lui là au milieu.
Ah non, c'était dommage, là, j'étais bien. Merde, je suis allée dans un truc hors map, là. Quel enfer. On a le truc qui régène la lumière. Moi je voulais l'avoir comme ça. Voilà. C'est plus rigolo. Voilà. Je vais faire un tour de mune par contre avant d'enchaîner. Parce qu'il me semble qu'il y avait des munes. Voilà. C'est pas de mal. Tellement bien, excellent. Hop. Un peu plus, c'est le glaive y passé. Je l'ai lock ou pas? Ouais, c'est bon. Alors, nos contrats, justement, quand même. Tac, tac, je regarde ce qu'il y a. Frag Abisso. Ah, ça marche avec mon PM, donc ça va. Avec une seule vie dans mon distributeur, des revolvers, des fusils auto. Ok, parfait. Secteur oublié, donc ça ok. Éliminer rapidement. Éliminer des membres puissants de la ruche. Terminer les événements publics. Éliminer avec des frags de précision, des frags stasiques. Franchement, on est bien, du coup, avec tout ce que j'ai. Hein. PM. Ça va me faire compléter quelques rangs de flinch, ce sera très bien. Ces symboles distordus. Je ne saurais les déchiffrer. Ah, oh, c'est le truc qu'il faut s'aligner. Ah bah c'est là. Hop. Voilà. Regardons ça sous un autre angle. Il se peut que les symboles soient visibles de plus haut. Le backseat. Le backseat si typique de l'année 2022. Bon, là, on est 2023, mais... Quel est cet endroit? Ikora, nous avons été transportés quelque part. Ça ne ressemble pas au reste du monde du trône de Sabatoun. Ikora? Nous l'avons perdu, gardien. Il va falloir continuer seul. Ça va être bien là, cinématique là. Est-ce qu'on ferait pas une petite photo? Je sais pas si j'ai moyen de faire une photo bien là. Vidéo. Non, c'est dans jouabilité. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hop! C'est parti!
Oh, c'était pas tout de suite. Ah oui, c'est comme ça. Un être portant des milliers de noms. Il n'en murmure qu'un. Le témoin. Rappelez-vous-en. Souvenez-vous de ce nom. Il n'est pas l'incarnation des ténèbres. Mais il les endosse, telle une cape. Il leur donne une forme malsaine. Je refuse d'être sa servante. J'ai passé des siècles à élaborer des stratégies, jouer des tours, chercher des failles. Puis j'ai choisi mon nouveau nom. Un homme avec de nombreux ennemis et peu d'amis. Mais ces derniers connaissent ses secrets. Sur la lumière. Sur de nouveaux départs. Mon plan prend forme. Ça venait de la coque de Sagira. Comme une empreinte psychique. Un souvenir. Le souvenir de Savatoun. Et si c'est bien cela, ça veut dire qu'elle a utilisé la relation entre Ikora et Osiris. Oh, elle était courte celle-là. Pour apprendre quelque chose sur la lumière. Quelque chose de dangereux. Oh, celle-ci était très courte comme mission. Oh, Finch. Ça tombe bien. Attends, je vois où j'en suis à peu près. Combien il reste de grosses missions? Je me rappelle de celle... En plus, la fin, elle est divisée en deux, je crois. Je vous écoute, Finch. Oh, parfait, parfait. J'essaie de vous joindre depuis un moment, mais ça marchait pas. J'ai une nouvelle info pour vous. Une piste pour votre prochain indice. Venez me voir tout de suite. Y a pas de temps à perdre. Allez. J'arrive, j'arrive, s'il y a pas de temps à perdre. Du coup, ouais, je vais regarder les noms des missions. Witch. Queen. Main. Missions. Vous savez que j'ai la saison des réincarnés aussi à faire sur le perso. Mirror. Ah ouais, du coup il reste Cunning, Last Chance et Rituel. Ah, ça avance vite en fait. Il en reste trois grosses missions. Bah finalement ça va pas faire un délai de 5 heures. Quoique. C'est jamais, mais. Bah, je suis bien sur l'écran des fois. Eh, hey, j'ai de nouvelles pistes et de bonne qualité. Hé, hey, vous avez vu quoi? Un souvenir? Vous voyez? Vous voyez, je savais que la coque de Sagira nous mettrait sur la bonne piste, j'en étais sûr! Ok, voici l'info. Vous connaissez Oryx? Le roi des corrompus? Frère de Savatoun? Ouais, je me disais aussi. Savatoun a fait construire un temple en son honneur. Écoutez, je sais ce que vous pensez. Quelle importance! Mais on a trouvé la coque de Sagira dans un temple dédié à sa sœur Xivo. Imaginez ce qu'on pourrait trouver dans le temple d'Oryx. Ok, vous savez pas comment on va entrer? Bon, alors laissez-moi faire. Intéressant. Événement imminent, j'ai envie d'aller le faire. Mais bon. C'est notre point. On fera ça plus tard. On va se concentrer. Du coup... La lame lumière. Eh ben go la lame lumière alors. Pas de pause finalement. Hop. Juste un petit message. Moi, je crois que c'est ça hein, que je devais faire. De toute façon, je suis partie par la lumière, c'était pas du tout ça. Si, c'est ça. Tout va bing. Alors, c'est quoi celui qu'on a eu? Les nécombattants avec des compétences. Très bien. J'ai bien fait d'aller choper les petits contrats, là. J'ai fini un truc de saison des Séraphins. Ah oui! Le calibrage sur Europe, le fameux. Elle avance bien la saison, ça. C'est cool. Le temple d'Oryx est protégé par l'un des guerriers les plus puissants de Savatoun. Il garde quelque chose.
Quelque chose dont vous pourriez vous servir, comme la coque de Sagira. La musique est trop bien. Mais il faut traverser de vieux canaux pour y accéder. Donc il faut un bateau. Et ça, je m'en occupe. Tu sais que j'allais te répondre sérieux, Thésil ? Il a écrit salut, je connais pas le jeu, c'est quoi ? Et moi j'allais gentiment donner les infos, quoi. Comment tu vas ? Comment ça va, Vin ? J'allais être sympa. On est déjà parti. Mais c'est notre homme, le garde du temple. Mais qu'est-ce qu'il fait aussi loin de son poste ? Profitons-en. Mais ça va bien, écoute, tranquillement. J'ai pas envie de jouer à trop de choses en ce moment, mais... Mais ça va. En dehors de ça, ça va. Comme d'hab. Bon, je me suis coincé dans un trou, là. Suffit. Ah, on peut pas coup d'épaule les mythes. Sachez-le. Pardon, monsieur. Je m'agorue. Voilà, c'est pour ça que je vais faire. Regardez, là-bas, la voie est libre. Alors ça va tout ce qui s'est passé pour Osiris, l'ami et le mentor d'Ikora. Et peut-être qu'Ikora a fait un faux pas. Elle lui a révélé une information qui lui a permis d'obtenir la lumière. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas la faute d'Ikora. Non, non, bien sûr, mais... J'aime bien le... Non, du tout. Et Osiris, c'est son ami. Elle aurait pu remarquer quelque chose. Enfin, je dis ça, je dis rien. Sabatou nous a tous tués. Vous et les autres spectres de la ruche inclus. On ne peut pas jeter la pierre à Ikora. Ouais, bah ouais. C'est ce qu'on dit. Mais en vrai... Hein ? Est-ce que c'est pas un peu de sa faute quand même? Voilà! C'est parti! Le bateau est en marche! Je repense à tout à l'heure quand je sais plus qui a dit. J'aime bien ton fils d'éclaireur. C'est tout le propos de ce fusil auto. Des plus efficaces. C'était exactement ça. Lynch, pourquoi est-ce qu'on s'arrête ? Aucune idée, je m'attendais pas à ça. Dis-moi, c'est sûrement grave. Vous pouvez nous débarrasser de cette barrière, pas vrai ? Évidemment. Bon, ils sont partis. Je reste sur le bateau. Regardez, j'ai mis ça. C'est pas mal, hein ? Pas mal. Vous avez réussi ! Bien joué. Oh, je peux mettre l'épée et le lapin.
Trop loin. Déception. Oh pardon. Ah, j'avoue, j'avais oublié que le mur s'en allait avec... Il me faudrait 50 heures dans mon dimanche. Finch, on est encore coincé. Ça, on serait 15 heures de Destiny, 15 heures de Fallout, 15 heures de FF. Le projet de la rue, c'est vraiment trop archaïque. Pas mal. Attendez, donnez-moi une seconde. Ce serait pas mal. Ok, on est presque arrivé au marais. Le temple est pas loin d'ici. C'est un temple dédié à Oryx, n'est-ce pas? Exact. Le frère de Savatun. Le roi des corrompus en personne. Ils sont entretués des milliers de fois, mais... elle a quand même construit un temple en son honneur. C'est assez ironique. Faites bien attention. Il est arrivé quelque chose à cet endroit. Les ténèbres l'ont complètement envahi. Cela dit, je ressens aussi la lumière, mais je ne la vois pas. Il y a peut-être un passage plus sûr. Yep, 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 yep. Je crois que c'est bon, Finch. On y va. Faites attention. Le chevalier qui garde cet endroit est un ancien rival d'Oryx. Et il plaisante pas. Drôle de choix de la part de Savatun pour garder le temple d'Oryx. Ah, il manque cool. Ah bah super. Merci. Néanmoins. Là, j'ai pas de lourde. Quel plaisir. Je tuerai ces DJ.
tort et un coup tranquillement. Ça va bien, bien, bien. T'as pas de mine. Un plaisir. Nice team. Du coup, s'il y a des gens que ça intéresse, Siltag et Forex sur le chat veulent faire le défi de la semaine sur la version hard d'Oryx, qui se passe à l'étape des du glyphe, vous savez, avec les espèces de pylônes. Donc si jamais vous en sentez l'envie et le level, ils sont sur mon Discord là, actuellement en théorie. Pour l'instant ils sont 3 si j'ai bien compris. Les tablettes cachent une énigme. Finch, vous aviez raison. On a trouvé quelque chose. C'est une partie des tablettes de la ruine. Les tablettes qu'Oryx a utilisées pour créer les corrompus. J'avais raison. J'avais raison. J'en étais sûr. Je savais que ça avait un lien avec les corrompus. Le spectre d'Alaktul s'est enfui. Il a juste laissé son corps ici. Ah, un plan B. Ils commencent à apprendre de leurs erreurs. Ils s'efforcent d'avoir une longueur d'avance. Mais vous avez récupéré la tablette. C'est le plus important. C'est un pas de plus vers la victoire contre la reine sorcière. Ok. Brief description received. Apparently, merci, you were doing something right, Captain. Merci beaucoup. Merci pour ton sub. Et tes 65 mois consécutifs de sub. Nom de Zeus. Tu sais ça, hein? De ce fait, tac. On a complété quelques trucs. On va aller en chercher avant de continuer, parce que ça fait pas de mal. Hop, comme ceci, et on va faire une petite pause d'ailleurs avant de partir pour la suite. Non, t'as pas besoin. Je t'ai appelé Sauveur au lieu de Asvin. Excuse-moi. Enfin, moi, ce que je recommande, c'est de prendre Witch Queen, justement, la reine sorcière, qui a une super campagne, qui fera bien le lien, te remettra bien dedans. De prendre la saison actuelle, qui va forcément faire bien le lien aussi avec la suite. Avec Rasputin et tout, moi je la trouve cool en plus, je l'aime beaucoup. Et après, franchement, le reste, c'est si... Alors je sais...
Comment ça se passe pour la stase si on n'a pas au-delà de la lumière, les gens? Ok, nouveau plan. Très intéressant. J'ai un doute d'un coin. Est-ce que tu peux peut-être avoir besoin d'au-delà de la lumière pour la stase? Pistolet mitrailleur, mais c'est parfait! Ils sont trop bien ces contrats! On s'avance pas vite, mais ils sont trop bien. Du coup, la mission, elle est là. Ouah, elle est loin! Elle est loin! On va rester à côté de Brandon. Approchez, utilisons nos cerveaux. Essayons de comprendre. Sauf s'il continue de parler, c'est moins ouf. Bon, je pense que ça va. Hop, petite pause! Et on continue ça. Enquêter, c'est comme danser, non? On peut connaître tous les pas, mais c'est inutile sans la musique. Alors je vais fredonner un peu pour vous. Marty. Vas-y, je peux peut-être faire le vite fait. Vu que j'avais besoin d'en faire un. Là, pour le coup, il est entamé et tout. Vamos, non? Je sais pas du tout s'il a essayé de le faire en... Aucune idée. Je pense pas. Hein. Voilà. On a pas le coup de s'embêter. Comme ça, normalement, ça me valide mon contrat. Ah non? Moi, je pensais que ça me validerait mon contrat. Bah, comme quoi. Comme quoi, comme quoi. Ça me dit quelque chose, le pseudo de Phantom Walk. Ça me dit quelque chose. Attendez. Et ces petits pieds là, ah ok. C'est bon, j'ai trouvé. Tout va bien. Salut toi. On voit plus rien là. Le pauvre, faut pas qu'il reste tout seul. À vivre avec les traumatismes vécus. Vaut mieux que j'élimine tout le monde. Ça va bien, et toi? Tranquillement. Ah bah. Coup d'épaule magnifique. J'avais pas encore regardé ta vidéo que t'avais postée. Ça va, t'as pas eu mal? T'étais KO un peu, non?
Putain, on a dit qu'il fallait pas laisser de témoin. Pas de témoin, on est fufu. Sans témoin, on est fufu. C'est parti, la suite. Oh, j'aurais presque envie d'enchaîner sur la saison des réincarnés. Mais faut qu'on reste raisonnable parce qu'on a fallu te faire après. Saison des réincarnés, là. Lundi. Du coup, il faudra que je refasse. Enfin, saison des réincarnés, ça veut dire qu'il faudra que je fasse toutes les. Toutes les missions d'affilée. A disparu. On doit trouver un autre chemin si on veut révéler le souvenir. La tablette qu'on a trouvée doit avoir un lien avec la lumière de Sabatoun. Alors, j'ai souvenir que quand on a fait ça en groupe, on a juste tiré sur tout ce qui existait. Mais c'est pas comme ça. Il y avait un truc par rapport à ce qui est autour. Ah mais la première c'est bon. Regarde. Regarde. Ah mais ça va du coup, attendez. C'est pas censé faire pop des mobs. En fait, on était en train de faire en mode... Ah bah c'est bon, voilà. Genre, on était en train de chercher, je me rappelle, avec Soud, on était là, ouais... Il y a des runes là aussi, gna gna gna... Et t'as Lynn qui a juste tiré sur tout ce qui passait, et ça a ouvert la porte. Un peu comme j'ai fait là. Mais il y en a trois différentes, d'après le chat. C'est possible. Nice, Deva. C'est cool alors. J'ai beaucoup aimé ma méthode. C'était une méthode de titan. Ça aussi, c'était une méthode de titan. Ça tue pas les... Les lucioles là, les mythes, les grosses mythes. C'est dommage. N'empêche que là-bas, il y avait un truc dévoilé. Du coup, c'est censé dévoiler quoi? Pourquoi il y a lui, là? Ça sert à quoi? Forcément un secret. Un coffre caché, un truc. Oh là, il sert à cette plateforme. C'est bon, j'ai. Juste là. Into là. Into. Dans le doute, allons là. Non. Si. Ok, on va refaire. Ah! C'est bon. Go. Il sert à ça. Oh! Une mythe! Merveilleux. Elle n'a pas du tout fait les mythes avec l'arca. Oh, vous avez vu? C'est flippant. C'est assez flippant. Madame, si vous pouviez arrêter. C'est très effrayant.
Non, genre vraiment. Je ne serai jamais la reine des corrompus. Je refuse de jouer les seconds couteaux pour mon frère Oryx. Lorsqu'Oryx a gravé les tablettes de la ruine, il y a décrit la méthode pour créer les corrompus. Mais son ciseau était affecté par le pouvoir viral des profondeurs. J'ai étudié son parcours. J'ai appris à lire entre les lignes. Les tablettes cachent une énigme. Et la réponse à cette énigme surpasse même le pouvoir de corrompre. Elle constitue le pouvoir du témoin, celui de déplacer les mondes d'une réalité à une autre. C'est ce que je compte faire. Je ne corromprai pas. Je donnerai. J'offrirai un havre de paix aux voyageurs, loin de ses ennemis. Et quand celui-ci flottera dans le ciel de monde du trône, je l'emprisonnerai à jamais. Rien que ça. On retourne voir Ikora. Encore le problème à la paupière d'hier. Terrible. Sabatoun a l'intention d'entraîner le voyageur dans le monde du trône. Ah bah cette fois-ci, il nous a pas ramené. Si elle y parvient, nous pourrions perdre notre lien avec la lumière. Pour toujours. On doit parler à Ikora. Hop. J'aurais pu encore choper les contrats. J'ai pu. Ah ouais, surtout que j'en ai plus en fait. C'est con. On va peut-être en rechoper avant de partir en mission, ceci étant. En soi. On va faire ça. Ce sera plus intelligent. Mon glaive que je voulais monter level 20. Ça n'a pas... Eh ben... C'est quoi le truc que j'ai? C'est là. Personne Forex TM. C'est dimanche. Ainsi, les ténèbres ne sont pas responsables de la disparition des planètes. Une entité était en cause. Le témoin. À l'évidence. Ce serait moi la responsable du vol de la lumière par Sabatoun. Je ne me cache pas. J'avais prévu cela. Après tout, c'est moi qui l'ai accueilli dans la tour, qui lui ai donné accès aux archives de l'avant-garde. Et maintenant, la ruche risque de prendre le voyageur à l'humanité. Si c'est bien moi la fautive, je dois savoir. Avant que Sabatoun n'approche ses griffes du voyageur. Votre ami Finch a trouvé une nouvelle piste. Rien de sûr à son sujet, mais aucune hésitation ne nous est permise. Retrouvez-le dans le monde du trône. Trouvez les réponses qu'il nous faut, quoi qu'il en coûte. Alors, terminé la mission La Ruse. Du coup, je crois qu'il m'en reste 3, ouais. Forex. Parce que 3 grosses missions comme ça, en fait. Des vraies missions, quoi. Salut, Elios. Parfait, alors.
C'est son perso préféré, quoi. Bon, c'est Kate. C'est Kate, quoi. Voilà. Super. Varix, non. Ça peut pas être Varix. Comme ça, là. Ouais, voilà ce qui est important. Ça fera l'affaire. Certains Elixni se tournent vers les ténèbres. Et maintenant, là... C'est Varix? T'as ça, puis t'as l'araignée. Comme ça, là. Les deux insupportables. Je crois que l'araignée me dégoûte plus que Varix. Ceci étant. Les deux à table, j'avoue. Ah, la violence. Il s'est passé une dinguerie, Mini, tout à l'heure, Elint. Aucun de nous n'a touché au truc Google. Et quand j'avais... Attends, j'attends la fin. J'ai une bonne intuition sur cette piste, gardien. Ça pourrait être gros. Assez gros pour faire la lumière sur cette affaire. Finch, une intuition ne suffit pas. Il nous faut des preuves. Irréfutables. Ok. Que diriez-vous d'un temple souterrain secret? Parce que j'en ai trouvé un, au fin fond de ces tunnels. Et devinez à qui il est consacré? À Savatoun. Eh oui. Enfin, presque. À Satona. Savatoun avant qu'elle ne devienne une déesse de la ruche. Si c'est pas irréfutable, ça, imaginez un peu ce qui doit être enfoui là-dedans. Que j'imagine. Donc vous n'avez rien vu du tout? J'ai pas exactement pu poser l'œil dessus, mais c'est puissant! Assez pour attirer tout plein d'infâmes! Si cet objet est ce que vous promettez, alors ça vaudra la peine. Ouvrez l'œil, gardien. On ne peut pas rater ça. Ça y est. Donc oui, quand j'avais rentré du sport, il y avait son relaxant sur le truc Google. Donc, je sais pas, le chat s'est mis des sons relaxants. Ah, s'il est cool, il nous aide. Ah mais je dis pas qu'il est méchant, hein. J'ai juste que... Voilà, quoi. Mais on a tous nos qualités et nos défauts. Donc ma théorie, c'est que le truc Google est vivant. Et s'est dit, ce chat a besoin d'être relaxé, c'est pas possible. Je vois plus rien, là. Suis-je ou vais-je? Excusez-moi, je... Pardon. Poussez-vous. C'est ça. La dingue. Voilà. Les infâmes sont encore mieux installés qu'à notre dernière visite. Ah oui, les infâmes se sont retranchés bien profondément. J'ai fait ta méthode, Lint, juste avant pour un code. T'avais tiré sur tous les codes et ça avait fini par marcher.
J'ai un peu près fait ça. De façon un peu plus méthodique, mais un peu près. Ah, peut-être un peu grédit là. On va peut-être plus loin. Non, pour une mission dans le jeu. Je sais pas si tu te rappelles, on arrive dans une zone très bleue. Et il y a un hôtel sur lequel il faut tirer sur des glyphes en fait. Non, c'était pour là, du coup. Tu l'avais fait pendant la campagne. Je m'en souviens. Mais t'as peut-être fait aussi un truc pour un secteur. Ceci étant. On fait ça. Petit contrat qui se complète. On aime. Reviens. Je vais faire plein de contrats de Finch pour monter sa réputation. Du coup, j'en profite au passage. Je dois dire. J'ai envie de dire, c'est souvent comme ça. T'as la portée de la grenade d'orage. C'est quand même bien fou. Hein. Finch, parlez-nous de ce temple plus en détail. Comment savez-vous qu'il est consacré à Satona ? J'ai fait que jeter un bref coup d'œil, mais la statue lui ressemble beaucoup. Donc, Savatoun a construit un mausolée dédié à elle-même. Jeune, et l'a abandonnée. Pourquoi ? Je sais pas. Elle était gênée ? Qui n'a pas un peu honte de son passé ? C'est gentil, cela, mais du coup, c'est pas l'objectif du tout. Hein. L'objectif, c'est de le faire tranquillement, en suivant bien tranquillement les choses, pour le... Let's play sur YouTube. Du coup, tranquille. Après, ça se trouve, dans 5 minutes, je te dis t'avais raison, mais... C'est une impasse. Mais avec une illusion ici, et la signature de Savatoun. Elle n'a donc pas quitté les lieux sans laisser de protection. Pourquoi n'est-elle pas revenue améliorer ses défenses avec la lumière ? Pourquoi la ruche lumineuse n'est pas venue affronter les infâmes ? Ah, c'est peut-être un appât. Pour attirer les infâmes et pouvoir les convertir à sa cause. Les utiliser contre le témoin. Je doute fort que Savatoun mette son monde du trône en péril pour quelques brigades d'infâmes. Non, une guerre de territoire entre Savatoun et le témoin. On ne cède pas de terrain à moins de perdre. T'aimes bien ? Ben ma foi. Parfait alors.
Parfait, parfait. T'étais pas déjà venu, cela? Peut-être que tu me dises ton premier message. Ton pseudo me dit quelque chose, pourtant. Ah, faut tout faire en un truc. Ah, c'est quelqu'un qui a un pseudo qui se rapproche. C'est possible, hein. Je vais finir par arriver à le faire. Je crois qu'il me manque un saut, en fait. Mais je vois pas où est le dernier. Là. Tac, ah là. Ok. Ressemble. Peut-être un viewer qui a un pseudo très proche du tien, du coup. Bonjour. Tu l'as vu sur TikTok. Ouais. Mais peut-être, hein. Qui sait? C'est l'air. Ah, à moins que t'aies répondu à un de mes TikTok, dans ce cas, oui. C'est possible. T'as pas répondu à un TikTok? Si. Ça y est, le début de la popularité sur TikTok. C'est trop beau ici. Oh my god, que c'est beau. C'est trop bien. Ça fait très Seigneur des Anneaux, je trouve. J'ai eu le même réflexe la première fois. C'est vraiment trop beau. Les mines de la mort. Oh non! Mais oui! Attention, on ne sait pas ce qu'il y a dans les profondeurs! Voilà. C'est même plus raisonnable. Du coup, on peut aller en arrière. Peut-être par là, le skip dont parlait Soula, non? Pourquoi je peux aller en arrière? Cette sorcellerie. Y a-t-il une mythe en arrière? Oh! Au revoir. Ok. Voilà. En douceur. J'essaie de me souvenir c'est quoi qui va se passer dans la... Ah, c'est pas dans une, justement, une zone un peu arène, le boss de fin, hein? Si c'est ça, c'était chaud, je me souviens. Oh, j'ai souvenir d'un truc vénère. Je crois que ça y est, je me souviens. Ah, il y avait des trucs à faire en bas, non? Aussi. Oh. Impossible de baisser le pont depuis ici. Ouais, voilà. Il doit y avoir un autre passage. Là. Utilisez tous vos sens, gardien. Je m'en souviens. Vous êtes allé trop loin pour revenir les mains vides. Thank you.
Ouh, c'était dangereux. Bon, attends, on la refait, mais mieux. Ça va dire un là. Non, mais... Oh, j'ai pas beaucoup d'épaule. Ouf, j'ai peur. Je me rappelle du boss. Ouah, ça va être chaud. Je me souviens très bien. Trop bien. Oh, pardon, monsieur. Après, à 3, c'était plus dur normalement, mais... Aïe, à l'aide. Ah, j'ai pas eu le temps de me caler. Oh, ça va être quelque chose. Peut-être une belle aventure. On va bien voir, ma foi. J'ai souvenir d'un endroit où on s'est planqué au boss aussi, sur les côtés. J'ai fort souvenir de ça. À quelle heure Fallout ? Quand j'ai fini l'histoire de Witch Queen. Et je suis dans l'avant-avant-dernière mission. Mais ça peut mettre du temps. Voilà. Si tout va bien d'ici 20h. Sinon... Voilà, voilà. En fait, je peux pas trop anticiper à quelle heure je vais finir, tu vois. On devrait prendre des paris. Quel objet ça va être? Techniquement, j'ai pas de lui-même pour parier. Mais j'ai une théorie assez solide basée sur ce qu'on a trouvé jusqu'ici. Ce n'est pas le moment, Finch. En effet, ne distrayez pas le gardien. Parions déjà sur le fait que cette chose a les réponses que nous cherchons. Le voyageur et la dernière cité en dépendent. C'est pour ça que je vais commencer par dessiner. Parce
que c'était celui qui avait une fin à mon projet. Gardien, regardez. Cette plaque au centre devrait abaisser le pont-levis. Faut que je reparte de l'autre côté là, c'est chiant. Ouais, voilà. Je vois pas l'intérêt. Enfin, si, je vois l'intérêt en vrai, j'ai rien dit. On l'a bien vu dans Callisto Protocol. C'est horrible de respawn directement sur les ennemis. Donc en vrai, il y a un intérêt. Je râle, mais. Vaut mieux respawn comme ça. Je peux user mon super, mais en vrai. À mon avis, je vais en avoir. Je vais avoir un truc pour le reprendre avant le boss. Qui est temps, le boss, hein. Mais dis donc, il m'attendait, là. Vous êtes combien en fait comme ça? C'est bon quand même. Abaissons le pont-levis. Mais ça, c'est pas un petit pont. Une fois à l'intérieur, allez directement voir la statue décrite par Finch. Si ça correspond, l'objet devrait être tout prêt. Oh, pardon, monsieur. Bon, bah, donc il veut pas utiliser mon super. Là tout de suite. Ils font rire avec leur lance-disque. La seule chose ici est la statue. Quoi ? Il doit y avoir autre chose. Ah voilà. Nom de Zeus. Et j'ai souvenir que c'était la galère. Mais bon. Ouais, pas mal. Je pense que là on fait un clean. Ok, il est cover. Ah.
mais là c'est le bord, c'est le précipice. Le chemin gauche. Enfin, j'avais pas souvenir des salles au fond comme ça. Voilà. Ok, cool. Attends, c'est bien lui le boss? Alors peut-être qu'on le voit deux fois. Oh le monde! Bonjour! J'ai vraiment un peu clean en fait, mais. Je sais pas si c'est une bonne idée. C'est juste qu'on y allait pas. Ouais, peut-être. Très utile. Pas très utile, mais. Je survis. Fallait vraiment éliminer les mini-mobs. Désolé Ikora, mais il semble bien qu'il n'y ait rien d'autre ici que la statue. Finch, s'il vous plaît, ne me dites pas que le gardien a fait tout ça pour rien. Non, non, il y a quelque chose, je le jure. Attendez. Et si l'objet était la statue elle-même? Ou bien une partie de la statue. Ce vert compagnon semble être un élément à part. Bien sûr. Après tout, c'est le temple de Savatun. Il fallait bien une ruse quelque part. C'était juste ça? Dans ce cas, Elibak qui demandait quand est-ce que serait la suite. Fallout. Écoute, on vient de gagner du temps. Hein. C'est vraiment que ça, mais j'ai un doute. J'ai un souvenir à 3 où c'était quand même pas simple simple. Alors attendez, parce que là il me manque un détail. C'est certain. Mais quoi? Finalement. Décris ma victoire trop tôt. Alors là-haut, ok. Ok. Trop bien. On a le bébé, le paquet, le colis. We got the colis. On l'a récupéré. Mais je m'en rappelais pas de ça. Pardon? Maintenant oui, mais... Je savais que les Ahamkara n'avaient pas disparu. Je savais qu'il en restait un. Au moins un. J'avais tellement oublié. Attends, il faut faire le truc des pattes ou... Ça doit être une autre. Je sais plus, moi. C'est pour rien dans la bouffe. Si, c'est bon. J'ai cru qu'il prenait pas. Oh bah, viser, c'est quelque chose, hein. Ben, j'ai posé cette question parce que ça touchait pas au début. Mais on va faire petit coup par petit coup. Ok? Mais vous inquiétez pas, le mauvais souvenir que j'avais, c'était le boss d'avant, donc... Pas ça, puisque ça, je m'en rappelais même plus. Ikora a raison. C'est une illusion. Mais elle est très, très réaliste. Ça touche bien, en tout cas. Non. Ok. Maintenant, il y a des spawns de mobs. Je m'en souviens. Je me souviens très bien des spawns de mobs. Ok. Un souvenir en amène un autre. Finalement. Ça, oui. Ça, j'ai.
J'ai cru voir des mines. J'ai rêvé. J'ai rêvé sur les mines. C'est bien, j'ai re-eu la surprise. Pardon, monsieur. Oh, je vais devoir faire ça à la principale. Bon, une fois la surprise passée, tout va bien. Ça va être long, je suis désolée. Marche mieux sur le côté de la bouche. Bien calé là. La magie de la ruche qui alimente cette illusion est limitée. Si vous vous échappez, elle ne pourra pas vous suivre. Impossible. La sortie est totalement bloquée. Pourtant, ces infâmes doivent bien venir de quelque part. Alors, je vais garder les lourdes pour la fin. Voilà. Ce petit raccoté, on n'est pas rendu. Voilà, demain. Heureusement qu'il n'y a pas de fureur, bah c'est sûr. Ce sera un raid sinon. D'ailleurs, tu remarqueras que même la mission EXO dont on parle là depuis plusieurs semaines, elle a pas de limite. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Rien à gauche ? À gauche. Vas-y, viens. Allez ! Monsieur, faut sortir. Ah non, la fureur, c'est la petite surprise des raids. C'est surtout la surprise de savoir si la fureur, c'est t'as perdu. Ou si c'est tu peux encore gagner. Dans les raids. J'ai pas eu de mine. Il reste un au milieu, j'imagine. Tchuss, Anit. Merde, c'est pas fini. Oh, j'ai raté. Enfin, j'ai encore mon super, mais...
je peux faire sans. C'est des nouveaux trucs ou... Je vais faire assez tôt ? Si, c'est bon. Traumatisé, quoi. Évidemment, c'est un Amkara, encore un dernier tour. On doit sortir d'ici, et vite. Cora, Finch, des suggestions ? Bon, il n'y a plus que nous deux. C'est parti, gardien. Et là, il n'y a pas de timer. Pas comme dans le raid. Enfin, je crois qu'il y a pas de timer. On dirait que j'ai quand même mon truc sur moi, mais... Que ça? Casse-gueule cette histoire. Mais bon. Si, y'a un timer, on veut déjà un. J'étais là, ouais, y'a pas de timer. Mytho? Vas-y, refond comme ça, là. C'est rien. Vas-y, je déplore les jambes. C'est bon. Ça va bien. Oh, tu peux tellement te faire buter là. Spectre, gardien, vous me recevez? Nous sommes là, Ikora. Remontons vers la surface. Et vous avez l'objet, n'est-ce pas? Sinon, c'était une énorme perte de temps. Nous l'avons. Merci de vous en soucier, Finch. J'ai jamais douté de vous. Ikora était inquiète, mais je savais que vous vous occuperiez de la Amkara. Qui n'était même pas réel. Le danger était bien réel, lui. Je n'aurais jamais dû envoyer le gardien avec si peu de renseignements, même si c'était notre seule piste. Bon, nous ressortons en un seul morceau. Et cet objet nous montre comment Savatoun a obtenu la lumière. Le risque pris était justifié. Oui, espérons-le. Ouais. Allez l'équipe. Ok. Ça, c'est fait. Il nous reste deux grosses missions normalement. Ah, ça, gardez vos personnages. Très bien. Go récupérer ça. Et reprendre des contrats. Oh, je change rien sur les contrats. Ok, nouveau plan. Ça va être marrant.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Élimine des membres de la ruche, élimine des combattants avec des dégâts solaires. Des groupes de combattants. Des groupes de combattants. Ça fera l'affaire. On a la moitié. On a officiellement dépassé ce qu'il avait fait auparavant. Hop, ne renversez rien. Désolé, hein, c'est juste que je suis devenu très méticuleux dans mon organisation. C'était oublié. C'était oublié. Ça va. On laisse le grand se détendre, d'accord? Il a... Enfin, ça a été dur. Oui, il m'a validé le morceau de... Non, pas du tout. Je fais un peu de place, merci. Ah, c'est juste pour me dire que le miasme, c'est là-bas. Ok. Ah, ici. Demain, retour de la programmation, du playing de live. Je m'occupe de tout ça. Oh, je voulais sauter. Oh non! Mes aventures. C'est un joli mot hein, pour dire. J'ai chu. Bon, et du coup, il faudra aussi faire rattraper la sonde réincarnée à mon titan. Ce serait pas mal. Ça va nous celui-ci devant hein. Ouais, c'est ça. Gagne du temps. Que s'est-il passé? Pourquoi n'avons-nous pas accès? Ikora, ça n'a pas marché. On n'a pas pu déverrouiller le souvenir sur le verre de compagnie. Quoi? Pourquoi? Que s'est-il passé? Aucune idée. Bon, le soir, on a fait exactement pareil qu'avant. Mais cette fois, il nous a rejetés. Mais... rejetés. C'est impossible. C'est notre seule piste. Il va nous falloir un autre plan. Je ne sais pas ramener cette chose sur Mars. Je vais voir avec Eris si elle a d'autres idées. On y va. Du coup, il y a une autre mythe ici, non? Je suis en train de... Ah, pas les trois. Tac. Let's go. J'ai trop hâte de revoir les cinématiques. Bien, bien hâte. On recline tout ça. Faudra que je me fasse un révision zéro bien. Un truc cool. C'est le mystère. On va changer de place. On va laisser longtemps. Ok. Ikora se mure encore dans le silence. Ikora, pourquoi ne m'avoir rien dit? Si j'avais su... Oh, voilà l'autre vénère. Je ne vous ai rien caché, Zavala. Pas intentionnellement.
Je ne pouvais pas vous tenir au courant du moindre petit détail. Quand ça concerne Savathun, chaque détail compte. Vous le savez mieux que personne. C'est pour ça que j'ai pris des décisions sans vous. Comme vous le faites également. C'est pas très bien passé. Pas pour une chose aussi importante. Ah, gardien. J'aurais même pas vu jusque là. Nous en reparlerons plus tard. Super. N'oubliez pas, Ikora, nous devons travailler en équipe. Vous ne pouvez pas vous fier à vos seuls instincts. À l'évidence, mes instincts ne sont pas fiables. Vu la direction que prend cette enquête, j'ai clairement un problème de discernement. Oh. Je devrais me retirer et vous laisser vous en charger avec Iris. En équipe. La pauvre. Sans les instincts d'Ikora, on n'aurait pas cette nouvelle piste et on serait encore loin de la vérité. Elle la défend. Grâce à cela, nous y sommes presque. C'est certain. Bon, très bien. Continuez l'enquête avec le gardien. Tenez-moi au courant. Une source de confiance nous a donné un nouvel indice. Un souvenir du dernier endroit où Savathun a été vu avant de se convertir à la lumière. Il se trouve dans les profondeurs de sa forteresse. C'est un endroit difficile à atteindre. Mais c'est notre seule option. Cette mission-là, je m'en souviens. Allez-y, je reste en contact. C'est un truc où on fait des trajets, il y a des cristaux et tout. Enfin, je crois. C'était bien le petit éclair que j'ai chopé juste avant, là. Je l'ai pas pris pour avoir de la place, mais... Il était pas mal, hein. Non, laisse-moi.